Camille Muffa et Coralie Balmy. Les Françaises avaient pris la cinquième place. Allez, c'est Sophie qui nage maintenant. Sophie qui a déjà nagé moins de 2 minutes, qui a un record personnel à 1,59,31 à l'occasion des championnats de France de Dunkerque l'année dernière. Les Japonaises détachées avec Ren Sato. Bargard derrière entre la Chine, la France et les Pays-Bas avec l'avantage pour les Néerlandaises. Ouais, c'est Inge numéro 6. Inge Dekker qui est en train de passer. Les Françaises en quatrième position. Et les Chinoises qui ont gardé leur meilleure nageuse pour la fin. La nageuse qui a terminé sixième à l'occasion de la finale des championnats du monde. Et bien va partir en dernière position dans ce relais. Allez Sophie, ne pas se laisser décrocher. Davantage pour les Japonaises devant la Chine. C'est une surprise hein, ces nageuses japonaises. Elles n'avaient pas de nageuse en finale du 200. Allez, pour la Hollande, c'est Chantal Groot qui va prendre le dernier relais. Il faudrait que Coralie aille la chercher pour aller décrocher au moins une troisième place dans cette série. Une demi-seconde d'avance en étant passage du record de France. L'important, c'est de se qualifier pour la finale. Et Coralie est en train de grignoter peu à peu son retard sur la nageuse néerlandaise. Elle est également en train de revenir sur la japonaise. Ouais, qui est en train de coincer la ligne d'eau numéro 3. La Chine est passée en tête. Coralie Balmy en troisième position. Chine, Japon, France. Il reste deux longueurs de bassin. Et Coralie qui passe deuxième. Coralie qui fait l'effort là. Elle est tout près de la chinoise Pang. À la ligne numéro 4, la Française à la 5 en deuxième position. Oui, elle va s'imposer. Coralie, elle termine bien. On rappelle que les Britanniques viennent de battre le record d'Europe des Italiennes. Et les Françaises qui s'imposent en 7,58, nouveau record de France. Ah, ce n'est pas mieux que la Grande-Bretagne, il n'y aura pas de record d'Europe. Pour les Françaises, c'est un record de France amélioré de 19 centièmes. France, Chine, Japon, le trio de tête de cette deuxième série. Et ouais. Le troisième temps pour les Françaises. Ouais, très bon relais. Une 57,6 de moyenne. Voilà, les Françaises là qui vont accueillir Coralie à la sortie du bassin. Ouais, elles ont le troisième temps des séries pour l'instant avant la dernière. C'est bien, comme ça en finale elles seront dans les lignes du milieu. Faut attendre hein, toujours un petit peu la validation des chronos, attendre d'éventuelles disqualifications.
et attendre également la fin du relais albanais avec Deborah Kechi. Voilà, résultat confirmé, troisième chrono pour les Françaises. Il reste une série à suivre avec...